règnes et ton règne n'a pas de fin. Tu règnes et ton règne est éternel. Tu règnes, ô roi de rois, ô Seigneur de seigneurs. Nous te bénissons ce matin. Merci pour ce moment. Nous sommes en train de prier pour la parole de Dieu. Élève ta voix. Commence à prier pour la parole maintenant. Dis Seigneur, parle-moi. Dis Seigneur, parle-moi. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Sois en train de prier. Dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Prie pour la parole ce matin. Seigneur, envoie-moi ta parole. Seigneur, envoie-moi ta parole. Seigneur, envoie-moi ta parole. Seigneur, envoie-moi ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, envoie-moi ta parole. Parle, parle à Dieu. Seigneur, envoie-moi ta parole. Ce matin, envoie-moi ta parole au nom de Jésus. Parle-moi. Sois en train de prier, sois en train de prier. 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 Seigneur, parle-nous. Envoie-nous ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci tendre Père, merci tendre Père, au nom glorieux de Jésus, que quelqu'un dise avec moi merci Seigneur Jésus. Tendre Père, merci pour ce grand privilège de pouvoir parler de ta part. Je m'abandonne entre tes mains. Que ton esprit se saisisse de moi, car il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que je ne parle pas par mon intelligence ou pour moi-même, mais laisse que les paroles qui sortiront, Seigneur, viennent de toi et de toi seul, afin d'éclairer tes enfants, afin de donner la vie à tes enfants, afin de bénir tes enfants. Au nom puissant de Jésus, que quelqu'un dise avec moi, Amen. Alléluia! Si tu es dans la joie, offre à Dieu une offrande d'acclamation ce matin. Tu es dans la joie, offre à Dieu une offrande d'acclamation ce matin. Offre à Dieu une offrande d'acclamation. Amen. Bienvenue dans la présence de Dieu, encore une fois. Nous allons écouter la parole de Dieu. Je prie que le Seigneur me donne la force et la capacité par son esprit. Et je sais que quelqu'un sera béni dans le précieux et les glorieux noms de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu va te faire du bien. Dis à ton voisin, Dieu va te faire du bien. Le thème de ce matin, c'est la dîme et les offrandes. Parlons-en un peu. Alléluia. Nous allons parler de la dîme et des offrandes. Peut-être comme on n'en a jamais parlé. Ça va nous aider à pouvoir comprendre. Alléluia. La dîme et les offrandes, je me suis rendu compte que c'est au-delà de tout ce que nous savons. C'est au-delà peut-être de tout ce que nous avons reçu comme enseignement. C'est au-delà de ce que peut-être la plupart d'entre nous comprennent encore maintenant. Vous savez, nous sommes dans notre saison de prière. Nos 22 jours de jeûne et prière commencent demain. Alléluia. Et comme j'avais dit, moi je vous avais déjà précédé. Alléluia. Moi je suis déjà à mon 15e jour. Demain je vais totaliser mes 14e jours, alléluia. Et pendant ce moment de prière, le Seigneur est en train de m'enseigner
beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et je prie que ce message puisse nous bénir. Alléluia. Donc, tu dois déjà noter que les offrandes, la dîme, les offrandes, c'est au-delà de ce que nous connaissons. La dîme et les offrandes, c'est les systèmes même de Dieu. Et ce matin, nous verrons la dîme et les offrandes par rapport à notre création, par rapport à notre existence, par rapport à notre salut. Nous allons apprendre beaucoup de choses en bref. Alléluia. Et je pense que cette fois-ci, j'en ferai un livre. Alléluia. Ah, je dois écrire un autre livre parce que le Seigneur est en train de m'inspirer de manière vraiment extraordinaire. Amen. Alors, commençons déjà. Quand je parle de dîme et offrande, ça a à voir avec les données. Donner, offrir, donner. Même la dîme, on donne, les offrandes, on donne. Alléluia. Donc, je suis en train de parler de donner. Premièrement, nous devons noter que la dîme et les offrandes sont attachées à notre existence et à notre création. Ça va au-delà de juste donner de l'argent ou offrir un bien à une personne. Ça va au-delà d'amener de l'argent à l'église. Ça va au-delà de donner l'argent à un pasteur. Ça va au-delà de contribuer pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. La dîme et les offrandes sont attachées à notre existence et à notre création. Nous allons voir cela. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 4, le verset 11. La Bible dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Notre existence et notre création est une offrande et une dîme. Pour que je puisse exister, pour que je puisse créer, tu dois noter que Dieu avait donné de son temps. Il avait donné de son temps pour que Dieu commence à former l'homme de la poussière de la terre. Il a donné de son temps. L'homme a été créé différemment des autres créatures. La Bible ne nous parle pas, je ne sais pas, je n'ai pas encore lu, alléluia, de la manière dont Dieu avait créé les anges. Amen. Certainement que c'est par sa parole. Alléluia. Mais lorsqu'on nous montre le récit de la création dans Genèse 1er, nous verrons que Dieu parlait. Dieu parlait. Et ce qu'il disait arrivait. Mais quand il devait créer l'homme, la Bible dit qu'il a formé l'homme de la poussière de la terre. Nous allons voir cela. Amen. Alors j'ai dit c'est une offrande. Pourquoi? Parce que Dieu a donné de son temps pour former la poussière. Dieu a travaillé. Lorsqu'on est en train de travailler, on est en train de donner quelque chose. Le travail, c'est un don. Quand tu fais quelque chose, tu es en train d'offrir. On parle d'offrir un service, n'est-ce pas? Alléluia. On parle d'offrir un service. On parle de donner un coup de main. Donner un coup de main. On parle d'offrir un service. Lorsque Dieu nous a créés, c'était une offrande. Il pouvait s'occuper d'autre chose. Il pouvait rester sur son trône en train de faire autre chose. Mais il a laissé tout ce qu'il était en train de faire. Il est venu former l'homme. Alléluia. De la poussière. Donc nous disons que notre création et notre existence est une offrande. Pourquoi? Parce que Dieu a donné de son temps pour nous former de la poussière. Alléluia. Dieu est allé au-delà de cela. Parce qu'en créant l'homme, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il domine. Cela veut dire quoi? Que Dieu donne à l'homme sa nature. Dieu donne à l'homme son caractère. Et Dieu donne à l'homme sa domination. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas les animaux qui dominent? Pourquoi est-ce que ce ne sont pas, les poissons qui dominent? Pourquoi est-ce que ce ne sont pas les oiseaux qui dominent? Mais c'est l'homme. Parce que Dieu lui a donné cela. Dieu lui a donné la domination.
domination. Dieu a donné à l'homme sa nature. Dieu a donné à l'homme son caractère. Alléluia. Combien tu peux acheter, à combien tu peux acheter tout ce que je suis en train de mentionner? Connaissez-vous la valeur des œuvres d'art? J'ai été artiste. Si on t'apporte un tableau de Léonard de Vinci, si on t'apporte le tableau original de la Joconde, vous savez combien ça coûte? Les œuvres d'art, vous savez combien ça coûte? Les œuvres de Leonardo, Michelangelo, Raffaello, leurs œuvres d'art, vous savez combien ça coûte? Et maintenant, l'homme est la création, je dirais, les chefs-d'œuvre de Dieu. Parce que Dieu n'a pas juste créé l'homme en parlant, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Il a donné de son talent, de son expertise, de sa créativité. Et lorsqu'on regarde tous les humains, ils sont différents les uns des autres. Lorsqu'on regarde les empreintes digitales de chacun d'entre nous, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Regarde la manière dont Dieu nous a créés. Alléluia. Nous serons en train de lire les Écritures aussi. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu donne la domination à l'homme. Que quelqu'un dise avec moi, c'est un don. Quelqu'un dit avec moi, c'est une offrande. Alléluia. Est-ce que tu avais payé pour cela? Alléluia. Est-ce que tu avais demandé cela? Et quand je regarde le souffle de vie que Dieu nous a donné, je considère le souffle de vie comme une dîme. Le souffle que Dieu a soufflé dans l'homme, a insufflé dans l'homme. Je la compare à la dîme. Pourquoi? Parce que la dîme, la Bible dit, c'est une part. La dîme, c'est une partie de quelque chose, d'un revenu, d'un butin. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, une part. Tant que Dieu n'avait pas donné une part de lui, c'est-à-dire son souffle, l'homme resterait poussière. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. L'homme est là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tant que Dieu n'avait pas donné une partie de sa vie, tant que Dieu n'avait pas donné une partie de lui, l'homme est resté inanime. L'homme n'est pas devenu un être vivant. L'homme est resté juste une statue en quelque sorte. Voilà pourquoi dans Genèse 2, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Juste comme la dîme, le souffle de vie ne nous appartient pas. Dieu, en n'importe quel moment, peut reprendre le souffle de vie. Personne ne peut réclamer. Alléluia. Est-ce qu'on arrive à comprendre? Est-ce qu'on arrive à comprendre? Est-ce que vous me comprenez? Le souffle de vie ne nous appartient pas. À n'importe quel moment, Dieu peut le reprendre. C'est comme la dîme ne nous appartient pas. C'est la part de Dieu. Donc le souffle de vie, c'est une partie de Dieu en nous, sans laquelle nous ne serions jamais devenus des êtres vivants. Donc si tu vis tel que tu es là,
mon frère, ma sœur, papa, maman, toi qui es en train de suivre ce message, où que tu sois, qui que tu sois, si tu es en train de respirer, si je respire comme je le fais maintenant, c'est parce que j'ai une partie de Dieu en moi. Dieu m'a donné une part de sa vie. C'est comme la dîme est une part de nos revenus. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Alléluia. Parce que la dîme ne nous appartient pas. Lorsque vous lisez le passage de Malachie, nous connaissons, c'est le passage que tout le monde présente par rapport à la dîme. Dans Malachie chapitre 3, le verset 7 à 12, Dieu est en train de crier au vol. Amen. Dieu crie au vol. Quand tu n'apportes pas ou tu ne donnes pas ta dîme, Dieu dit que tu es un voleur. Dans le passage de Malachie, tout est correct sauf la malédiction. Alléluia. Parce que en Christ Jésus, nous ne pouvons pas être maudits. C'est impossible qu'un enfant de Dieu en Christ soit maudit, à moins que ce soit par sa propre ignorance. Cependant, tu peux ne pas donner ta dîme. Ce n'est pas du tout mauvais, c'est comme bon te semble. Alléluia. Mais il te manquera quelque chose. Il te manquera toujours quelque chose. Essayons de lire un peu ce passage de Malachie. On va juste faire la lecture et on va commenter deux ou trois choses. Malachie chapitre 3, le verset 7 à 12. Je suis en train de lire la version du semeur. Le verset 7, la Bible nous dit ceci. Depuis les temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois ou de mes enseignements, de mes ordonnances, et vous n'y obéissez pas. Il dit, revenez donc à moi, et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, comment devons-nous revenir? Verset 8, un homme peut-il voler Dieu? Pourtant vous me volez. Et vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Il dit ceci, lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous les coups de la malédiction parce que tous ces peuples, vous me volez. Alléluia. Amen, amen, amen. J'ai dit, cette partie ne nous concerne pas parce qu'en Christ nous sommes bénis. Amen. Alléluia. Mais continuons. Il dit au verset 10, apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans les trésors du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. Il dit de cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées, alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Alléluia. Il dit, apportez la totalité. Alléluia. La totalité, que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. La totalité dit, apportez. Il dit ensuite, regardez. Il dit de cette façon, mettez-moi à l'épreuve. Alors vous verrez si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et je ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Il dit, pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus le produit de vos terres et vos vignes. Dans vos campagnes, vos campagnes ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées. Il dit, et toutes les nations, j'aime la dernière partie, la Bible dit, et toutes les nations vous diront, bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées. Alléluia. Alléluia. Je n'attends pas ton amen. Alléluia. Une personne qui donne sa dîme à Dieu est en train de fonctionner comme Dieu. Il y a des choses qui ne seront pas créées dans ta vie. Il y a des choses qui ne seront pas ajoutées dans ta vie. Il y a des choses qui ne deviendront pas vivantes dans ta vie tant que tu ne vas pas pratiquer ces choses.
J'ai dit, c'est au-delà de donner l'argent à un homme. C'est au-delà de cela. C'est au-delà, au-delà, au-delà. C'est nous qui avons limité cela à cela. Ça devrait être le style de vie de chaque enfant de Dieu. Sans même qu'on leur enseigne. Qui avait enseigné Abraham sur la dîme? Qui avait enseigné Caïn et Ève à offrir à Dieu? Qui leur avait prêché? Vous savez que lorsque Adam est sorti de Eden et toutes les personnes qui ont vécu pendant cette période-là, ils avaient encore la capacité d'être connectés au monde spirituel. Alléluia. D'avoir une certaine connaissance que nous n'avons pas, vu que les années se sont tellement passées et beaucoup de choses ont changé. Mais quand ils sont sortis dedans, ils avaient encore la possibilité d'être en contact avec certaines connaissances. Alléluia. Amen, 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 amen. J'ai pris que, au-delà de ce que je suis en train de dire, le Saint-Esprit lui-même parle à ses enfants. Alléluia. Aux personnes qui sont concernées, parce que ce message, c'est pas un message que j'aime pas trop enseigner. Si ça dépendait de moi, je n'allais pas enseigner ça. Alléluia. Si ça dépendait de moi, je n'allais pas du tout en parler, même pas du tout. Je peux survoler, mais aller en avec tous ces détails, c'est tout simplement Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. J'ai dit, la preuve que le souffle ne nous appartient pas est que nous n'avons pas le pouvoir de le retenir. Qui peut retenir son souffle de vie? Ecclésiaste nous le dit. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8, la Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ses combats et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Donc à chaque fois que tu es vivant, tu dois savoir que tu es en train de te promener avec la dîme de Dieu. C'est la dîme de Dieu qui te maintient en vie. C'est aussi vital que ça. Alléluia. Oh, je ne ressens pas d'amen. Alléluia. Quand tu respires, c'est la dîme de Dieu dans ta vie qui te fait respirer. C'est la partie de Dieu, son souffle, sa vie en toi qui fait que tu vives. La Bible dit, auprès de toi est la source de la vie et c'est par ta lumière que nous avons la lumière. Même le Seigneur Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie que tu as, le souffle de vie que tu as, c'est la dîme de Dieu en toi. Si Dieu se permet de te donner sa dîme, qui est la vie, comment est-ce que toi tu peux lutter pour donner juste une partie de l'argent, une partie de tes biens matériels, les biens périssables, les biens que tu peux perdre? Je me rappelle d'un frère, il n'aimait pas la banque, alléluia. Il avait sa boutique et sa boutique, sa boutique marchait, alléluia. Ses affaires marchaient. Alors, il gardait l'argent. Vous savez, les gens qui vendent, qui ont des boutiques, ils ont beaucoup de cartons. Alors, il y a un endroit où il a superposé des cartons et des papiers. Et dans un des cartons, c'est là où il avait mis son argent. Alléluia. C'est là où il avait mis tout l'argent, mais il y avait beaucoup de papiers dessus pour cacher. Alors, un jour, il laisse la boutique à son frère. Il est parti pour faire d'autres affaires. Et son frère s'est dit, ce jour-là, je vais faire le ménage de la boutique. Alléluia. Je vais nettoyer la boutique. Il prend tous les cartons, tout ce qui était inutile. Il brûle. Il brûle. Il a brûlé l'argent. Il ne savait pas que c'est là que son frère gardait l'argent. Son frère, quand il arrive, vous savez, des fois, hein, sans qu'on lui dise, il a vu seulement un tas de papier. Il se demande, mais qu'est-ce qu'on a brûlé ici? Il a demandé à son petit frère, qu'est-ce que tu as fait? Oh non, j'avais nettoyé la boutique et j'ai brûlé tout ce qu'il y avait dans le carton. Les frères commençaient à pleurer. Il y avait 4 000 $. Dites avec moi 4 000 $. Dites avec moi 4 000 $. 4 000 $ sont partis en fumée. Si toi ta vie, ce qui fait ta vie, c'est la dîme de Dieu. Comment ça peut être difficile pour toi
Quand il y a un 100 dollars, de mettre un 10 dollars à côté pour Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de dire, vous me volez. Mais bien aimé, apprenons ces choses, revenons dans ces choses. Et le Seigneur reviendra à nous en ce qui concerne nos finances. Moi, je vous ai toujours raconté mon histoire de comment j'étais favorisé dans mon lieu de travail. Quand j'étais à l'hôtel Memling, mon patron, mon directeur général, c'était un blanc, un français. Un français, un blanc. Et la manière dont il me favorisait, personne ne comprenait. Les gens ne savaient pas. Moi, j'ai donné toujours ma dîme. Alléluia. J'ai donné 10%. Je suis allé à 15% quand j'ai travaillé. Hein. Je suis allé à 25%. Alléluia. Maintenant, c'est toute ma vie. Alléluia. Maintenant, la dîme, c'est rien pour moi. Mais 10% de ce que Dieu me donne, c'est rien pour moi parce que ma vie même, c'est plus que cela. Retiens cela. Qu'à chaque fois que tu vas respirer, hein? À chaque fois que tu vas prendre l'oxygène et dégager les CO2, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Hein, l'azote, c'est ça? Tu seras en train, c'est la dîme de Dieu dans ta vie. Donc, quand on parle de la dîme, c'est au-delà de l'argent. C'est au-delà de biens matériels. C'est au-delà. La dîme est aussi vitale que le souffle de vie que nous avons. Il faut que Dieu retire son souffle. Peu importe notre beauté, peu importe notre classe sociale, peu importe notre richesse, c'est la fin pour nous. C'est la fin. Voilà pourquoi plusieurs personnes n'entrent pas dans leur vraie prospérité. Parce qu'elles négligent ces histoires. On nous a appris tellement de théories. On nous a appris que lorsqu'on donne, ce sont les pasteurs que nous sommes en train d'enrichir. Parce que il y a des personnes qui en ont profité. Alléluia. Il y a des personnes qui en ont abusé. C'est vrai que les hommes de Dieu doivent vivre de l'évangile parce que c'est leur travail. N'est-ce pas? Ils doivent vivre de cela. C'est-à-dire que si vous ne leur donnez pas, vous êtes en train de leur priver de leur vie, de leur salaire. Rappelez-vous de l'histoire de l'homme riche. Celui qui avait beaucoup de champs, l'un de ses champs avait beaucoup rapporté, bien qu'il était déjà riche. Cet homme n'a pas pensé à Dieu. Cet homme n'a pas pensé à sa famille. Cet homme n'a même pas pensé à sa communauté. Cet homme n'a pensé qu'à lui-même. Il s'est dit, je vais élargir mes greniers. Je vais élargir des greniers. Je vais amasser mes récoltes. Et puis je vais dire à mon âme, réjouis-toi, tu as tout ce qu'il faut pour la vie. Tu vas manger, tu vas boire. Et c'est tout. La Bible dit, cette nuit-là même, la nuit même, Dieu lui a dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Son âme lui a été redemandée. Il n'a pas pensé, il n'a même pas rendu grâce. Même pas de sa bouche, rendre grâce à Dieu. Quelque part dans Deutéronome, la Bible est en train de dire, tu te souviendras de l'Éternel Dieu. Parce que c'est lui qui te donne la force d'acquérir les richesses. Les richesses que tu as, c'est Dieu qui te donne la force de les acquérir. Si tu es malade, tu ne peux pas travailler. Qui te donne la santé? Qui te donne la santé? Qui te donne la force? Qui te donne l'intelligence? Qui te donne les capacités? Pourquoi lorsqu'il s'agit de lui donner, que toi tu lui donnes, tu commences à réfléchir? Dieu ne réfléchit pas pour te donner. Alléluia. Ah. Avançons. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia.
Dieu nous a donné son image. Il nous a créé à son image. Il nous a donné tout ça gratuitement. Vous savez, lorsque vous allez même sur Internet, il y a des images que tu ne peux pas utiliser. Pourquoi? Parce que l'image là a un droit d'auteur. Et si Dieu demandait les droits d'auteur dans ta vie, si Dieu demandait son droit d'auteur, ta beauté là, la beauté que Dieu t'a donnée, si Dieu demande son droit d'auteur, tu es son image, non? Oh là là, avançons. Nous allons voir cela dans notre salut par le Seigneur Jésus-Christ. Notre salut, c'est un don. Là, j'ai parlé de la création. Tout le monde, que tu sois païen, que tu sois chrétien, peu importe ta foi, tu es une création de Dieu. Alléluia. Et vous savez qu'il y a des gens du monde qui donnent la dîme. Et quand vous faites des recherches, vous allez vous rendre compte que dans d'autres religions, il y a des gens qui donnaient aussi leur dîme. Dans d'autres religions, alléluia. Il y a des gens qui donnaient aussi leur dîme. Notre salut. Dans Romains chapitre 6, le verset 23, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Pour que nous puissions recevoir la vie éternelle et que nous soyons sauvés, Dieu a fait un don. Dieu a donné. Il a fait les dons de son Fils unique, Jésus. Aujourd'hui, tu es chrétien. Tu peux adorer. On aime les chansons. Les chansons chrétiennes, la musique chrétienne, on aime l'adoration. Quand on est en train de chanter, Alléluia Jésus règne. Quand on prie, les prières nous font du bien. Nous aimons tout cela. Mais pour en arriver là, Dieu avait donné son Fils. Alléluia. Pour que je sois sauvé, pour que j'aie le pouvoir sur le péché, sur les esprits impurs, sur les sorciers, tout cela, Dieu avait fait un don. Cela veut dire Dieu avait donné, Dieu avait offert son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Donc lorsqu'on parle des offrandes, des dîmes, là, ce sont les affaires de la vie. Ce sont les affaires de Dieu. Ce sont les affaires qu'on doit prendre au sérieux. Ce ne sont pas les affaires sur lesquelles on doit commencer à discuter, bouder et je ne sais quoi là. Parce qu'il y a des personnes, quand tu regardes ce que tu fais comme dépense et ce que tu donnes à Dieu. Vous savez, au temps de la loi, au temps de Moïse, Dieu était tellement exigeant qu'on n'apportait pas à Dieu n'importe quoi. Tu ne peux pas apporter à Dieu n'importe quoi. On lui apportait des agneaux, de boucs et consorts sans défaut. Sans défaut, on devait surveiller ce qu'on offre à Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui, quand ils vont à l'église, ils vont prendre 500 francs. Ils froissent. 50 francs, ils froissent. Alléluia. Ils cherchent. Qu'est-ce que j'ai comme petite coupure ici? Alléluia. Il met dans l'enveloppe. Alléluia. Oh, mes bien-aimés. Est-ce que nous voulons vivre des dimensions? Parce que les dimensions arrivent. Les dimensions arrivent. Le Dieu que nous sommes en train de servir, le Dieu qui nous a sauvés, la Bible dit c'est le Dieu à qui l'or et l'argent lui appartiennent. Ça ne nous appartient même pas. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pourquoi pensons-nous que c'est à nous? Même quand il y a un besoin, tu as de l'argent. Mais tu ne peux pas participer. Hein? Moi, je n'aime pas dire qu'on n'a pas. Parce que c'est dangereux de dire qu'on n'a pas. La Bible dit, on prendra à celui qui n'a pas. Hein? C'est contradictoire. Comment tu veux prendre à celui qui n'a pas? Qu'est-ce qu'il a qu'on peut prendre? On prendra celui qui n'a pas et on donnera à celui qui a. Donc, c'est toi, tu as l'habitude de dire, moi, je n'ai pas. Je n'ai pas. Il y a un projet ici, j'ai pas. C'est le temps des offrandes, j'ai pas. Ah, j'ai pas. Hey! C'est dangereux. Dis à ton voisin, c'est dangereux. Dis à ton voisin, c'est dangereux. Il faut que Dieu voie, tu sais. Pour, ce que Dieu a pour toi,
Vous savez, toujours dans Deutéronome, ça doit être 8, je ne sais plus, 18, dans Deutéronome, Dieu est en train de dire, il dit, je vous ai fait traverser le désert. Il dit, je vous ai nourri de la manne que vos pères ne connaissaient pas. Il dit, pour tester vos cœurs. Leur destination, c'était une terre, un pays dans lequel coulait le lait et le miel. Un pays d'abondance. Un pays où il ne devait manquer de rien. Mais avant d'arriver dans ce pays, Dieu leur fait passer par un désert. Pourquoi? Pour regarder l'état de leur cœur. Il y a des personnes à l'église aujourd'hui, si tu leur donnes de l'argent, beaucoup d'argent, ils ont fui l'église. Ils ne viendront plus, elles ne viendront plus à l'église. Tu donnes à quelqu'un un million de dollars. Tu donnes à une personne ici 2000 dollars. La personne ne va plus venir à l'église. Certaines personnes. À d'autres personnes, tu donnes 5000 dollars, la personne meurt. Alléluia. Parce que la personne va faire tellement de folie, que la personne va se perdre. Alors Dieu nous teste dans les petites choses. Il te donne 100 dollars. Il te demande seulement 10 dollars. Ah! Toi, tu dis à Dieu, je vais donner prochainement. Mes bien-aimés, chaque jour est une nouvelle journée. Les jours ne se suivent pas. La Bible dit, quand tu lis dans Hébreux chapitre 10, on dit Dieu fixe de nouveau un jour. Dans le psaume 118, la Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Chaque jour est un nouveau jour. Et plusieurs personnes n'entrent pas dans leur bénédiction, plusieurs personnes n'entrent pas dans leur délivrance. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement attachées à leur passé. Que lorsque c'est un nouveau jour, la personne commence sa journée, sa nouvelle journée, mais tout en étant dans le passé, dans son passé. Le matin déjà de la nouvelle journée, elle commence à se soucier de son passé. Elle commence à penser, rien n'a marché dans ma vie. Voilà encore un autre jour et rien ne va encore marcher. Donc déjà, il est en train lui-même de maudire sa nouvelle journée. Pourquoi? Parce qu'il est en train de vivre dans son passé. Tu dois apprendre que chaque jour est un nouveau jour. C'est-à-dire quand tu te réveilles le matin, tu commences à bénir Dieu parce qu'il a en réserve pour toi des choses pour cette nouvelle journée. Alléluia. Amen, 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 amen. Tu dois le savoir. Voilà pourquoi quand il faut donner aujourd'hui, c'est une semence pour aujourd'hui qui va te rapporter demain. Ce que tu ne sèmes pas aujourd'hui, tu ne moissonneras pas demain. Ce qu'on mange, on ne peut plus récupérer ce qu'on mange. Va récupérer ce que tu avais mangé. Tu sais là où tu vas aller récupérer ça, non? Tu vas créser. Tu sais là où ça va? Quand tu manges là, ça va où? Quand tu manges, ce que tu manges, ça va où? Hein? Tu vas aller récupérer ça? Tu peux aller récupérer? Vas-y, va essayer. On va te prendre pour un fou. Ce que tu manges là, tu n'investis pas. Mais ce que tu sèmes, ce que tu donnes, pas seulement à un pasteur, à ton frère, à ta sœur, à ton père, à ta mère, pour l'œuvre de Dieu, tu es en train de s'aimer. Tu es en train d'investir. Et le Seigneur Jésus est en train de nous dire de nous amasser des trésors au ciel. De nous amasser des trésors au ciel. Il y a des personnes riches sur terre qui seront très pauvres au ciel. Très pauvres dans l'éternité. Ils vont passer toute leur éternité dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que le diable a tellement fait circuler de mensonges où il y a des personnes qui ont tellement abusé de la gestion financière à l'église. Et on est en train de mettre tout le monde sur, dans un même paquet. Que quelqu'un dise avec moi, la dîme et les offrandes, c'est au-delà de ce que je connaissais. Alléluia. Amen, amen. Ta vie, c'est la dîme de Dieu. Ton salut, c'est l'offrande de Jésus.
pour que je sois sauvé, Jésus s'est offert. Jésus s'est donné. Regardez dans Hébreux. Hébreux chapitre 9, le verset 14. La Bible dit, combien plus les sangs de Christ, qui? Le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Le Christ s'est offert lui-même. Jésus s'est offert lui-même. Si les chrétiens peuvent passer leur temps à débattre sur les offrandes et les dîmes, qui va accepter de mourir pour Jésus? Alléluia. Amen. Si tu dépenses des journées à débattre, il ne faut pas payer la dîme. C'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Mais quand tu lis les psaumes là, ce n'est pas l'Ancien Testament. Hein? Donc tu prends ce qui est bon pour toi. Ce qui n'est pas bon, tu commences à discuter. Alléluia. Pourras-tu accepter de mourir pour Jésus? Pourras-tu accepter de mourir comme un martyr? Jésus nous a démontré le plus grand amour. Vous savez, le plus grand amour consiste à donner sa vie pour ses amis. Dans Jean chapitre 15, le verset 13, Jean 15, 13, la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. Il a donné sa vie pour nous, sa vie pour nous. Es-tu prêt à donner ta vie pour Jésus? Alléluia. Si on vient à l'église, on dit alors, ceux qui veulent mourir pour Jésus, passez devant, rejoignez le pasteur. Ceux qui veulent retourner chez eux et régner Jésus, on vous laisse libre de rentrer chez vous. Qui vont accepter de passer devant pour mourir pour Jésus? Alléluia. Qui va accepter? Oh. Qui va accepter? Vous allez dire, non, je vais d'abord fuir comme ça, après je vais demander pardon. Mais le plus grand amour, Jésus nous l'a démontré. Quand tu n'as pas encore atteint ce niveau, tu es encore un enfant. Dieu ne peut pas te faire confiance. Quand tu ne peux pas donner un 500 francs à Dieu, si tu ne peux pas donner une part de tes revenus à Dieu, comment pourras-tu donner ta vie? Comment pourras-tu accepter la mort pour Jésus? J'étais allé visiter un frère, un pasteur à Bandundu. Quand je suis arrivé dans son église, on a fait les tours, on savait avec Facebook, on faisait des photos, comme on publiait. Et le pasteur de sa communauté disait, mais oh, toi comment tu es en train de publier les photos de ces pasteurs, qu'est-ce qui arrive? Oh. Mais le pasteur leur répond, mais lui au moins il est venu jusqu'à Bandundu. Vous tous de la communauté, là, personne n'est jamais allé à Bandundu. Pourquoi? Parce qu'ils sont confortables à Kin. Qui va aller à Bandundu? Si l'extension était comme c'est maintenant Lubumbashi, les gens vont parce que c'est Lubumbashi. Alléluia. Au Bandundu, là-bas, les villages. Qui va? Alléluia. Mais par amour pour le Seigneur, je suis parti. Et quel voyage pénible! Quel voyage pénible! Les bus, la nuit, par bus. Le bus tombe en panne. La pluie. J'ai dit non, je dois arriver. Je dois atteindre ma destination. Parce que là où le bus est tombé en panne, pour qu'un autre bus nous rejoigne, il faut d'abord que le bus fasse au moins un ou deux jours. Donc moi, mon séminaire allait commencer déjà le lundi, je pense. Alléluia. Moi, je devais déjà arriver. Je devais arriver cette nuit-là, coûte que coûte. Alléluia. Je devais arriver le lendemain parce qu'on a passé la nuit dans le bus. Et le lendemain, le bus tombe en panne. Pour venir nous dépanner, ça devait prendre encore un ou deux jours pour arriver là où on était. Il n'y avait pas de communication.
pas de réseau. Je dis, moi, je dois arriver. J'ai pris mes affaires. J'ai pris une moto. J'ai fait plus de 6 heures sur une moto. Plus de 6 heures de route sur une moto. J'arrive à 21 heures. Là, on devait traverser la rivière Kwango et Kwilu. À 21 heures. Et à l'endroit en question, il n'y avait pas de courant. Pas d'électricité. C'était dans le noir total. Heureusement que le garde frontière était membre de l'église. Le pasteur leur avait instruit. Alléluia. Amen, amen, amen. Et c'est là à 21h que j'ai traversé la rivière Kwilu et Kungu par une pirogue. Et la nuit, il n'y a pas de pirogue motorisée. Donc, on faisait ça. À quelle heure? Mais les pasteurs de leur communauté, c'était une grande communauté, ils ne sont jamais partis là-bas. Jusqu'à ce que le pasteur ait quitté, ils ne sont jamais partis là-bas. Alléluia. Mais bien aimé, quand tu deviens un fils, tu dois savoir qu'il y a du prix à payer. Il y a des choses que plusieurs ne vont pas recevoir sur cette terre, même pas dans l'éternité, parce qu'elles ne sont pas prêtes à payer le prix. Pour des petits riens, on est en train de traîner les pieds. Pour des petits riens, il faut qu'on te prêche du matin au soir. Pour des petits riens, il faut que l'homme de Dieu entre en jeûne et prière. Pour que Dieu touche ton cœur. Ça devrait être naturel de la même manière que tu respires naturellement. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi pour que tu respires. Alléluia. Est-ce qu'on prie pour toi pour que tu respires? Alléluia. Est-ce que pour respirer tu pries? Là, pour respirer tu pries. Est-ce que pour respirer, on doit te motiver? On doit te motiver, te prêcher pour que tu respires. Et si tu veux qu'on te motive, tu vas mourir, non? Tu vas mourir. Plusieurs personnes meurent dans leurs finances, meurent dans leur destinée, parce qu'ils ne sont pas prêts à donner. Quand Jésus a donné sa vie, quand il s'est humilié, il a donné sa vie. La Bible dit que Dieu l'a élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu, à la droite de Dieu. Il est Seigneur. Pourquoi? Il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié. On veut devenir. On veut être. On veut atteindre. On veut recevoir. Mais on ne veut pas donner. On ne veut pas donner. Faisons attention, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Regardez. Dans Romains chapitre 5, le verset 8, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Regardons Marc 8, 35. Marc 8, le verset 35, la Bible dit, car le ventilateur ici me dérange, s'il vous plaît. Alléluia. Marc 8, 35, la Bible dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Alléluia. Amen, amen, amen. Regardez, Marc 8, 35, la Bible dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Plusieurs personnes ne donnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent en quelque sorte sauver leur vie. Pourquoi? Elles se disent, si je donne, qu'est-ce qui va me rester? Si je donne, j'ai des factures à payer. Je dois payer ça. Je dois payer ça. Je dois faire ça. Je. Et en fin de compte, ces personnes cherchent à sauver leur vie. Si je donne la dîme, ce qui va me rester là sera insuffisant. Ça va? Ça sera insuffisant en janvier. En février, ça sera encore insuffisant. En mars, ça sera insuffisant. Il y a des personnes cette année, elles n'ont même pas donné leur dîme, même pas une seule fois. En novembre, là, c'est encore insuffisant. En décembre, sera insuffisant. Tu auras fait une année sans donner la dîme à Dieu, sans même donner une offrande de qualité à Dieu. Qui est en train de perdre? Vous pensez que Dieu est en train de perdre? Dieu est en train de rigoler, en train de dire, ah, ces gens,
Voilà pourquoi la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Mon peuple périt, pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a des personnes qui vivent des choses malheureuses, désastreuses dans leur vie à cause de petites choses. Le fait de refuser de donner à Dieu ne va pas améliorer ta situation financière. Le fait de refuser d'offrir à Dieu, de donner la part de Dieu, ne va pas améliorer ta situation financière. Tu seras au contraire en train de t'enfoncer encore. Mais le Seigneur Jésus a dit, mais celui qui perdra sa vie, celui qui sera prêt à perdre pour lui et pour la bonne nouvelle, celui-là va récupérer. Alléluia. J'étais en train de penser à... J'ai toujours mon boubou que j'avais. Et mon sac, je ne l'ai plus parce que je l'ai offert. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, lorsque vous allez au studio, vous regardez, vous allez voir le grand groupe électrogène jaune. Alléluia. Vous voyez ça, hein? Il y a la rallonge qu'on utilise d'ici jusque dans l'autre salle. Hein? Et la lumière que nous avons au studio. Alléluia. C'est un frère qui me l'a offert. Alléluia. Amen, amen. Il m'a donné ça. Alléluia. Mais qui avait commencé à donner? C'était moi. Amen. Un jour, je lui ai offert mon sac et même un ordinateur. J'avais pas donné dans le but de recevoir. Parce que tu dois pas donner. Parce que certaines personnes pensent que Dieu est un... Dieu est une loto, je ne sais pas. Et Dieu, c'est quelque chose que tu donnes pour gagner en plus. Comme chez nous, s'il y avait les bindo, tout ça, tu donnes pour gagner. Quand tu as cette mentalité, tu perds déjà parce que Dieu t'a déjà tout donné. Dieu t'a déjà tout donné. La Bible nous dit, ça doit être dans 1 Pierre 1:3, je pense. La Bible dit, par sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. À la vie, Dieu nous a tout donné. Tout donné. La Bible dit que tout est à nous, tout est à nous. Ne donne pas à Dieu parce que tu veux recevoir. Ne donne pas à Dieu parce que tu veux que ta prière soit exaucée. Dieu nous a déjà exaucés. Alléluia. En Christ, nous avons déjà tous les exaucements. Mais nous devons entrer dans cela. Nous devons pratiquer de toutes petites choses. Allons-y pour qu'on termine. Quelqu'un doit être prêt à perdre. Tu dois être prêt à perdre. Dans ce royaume, c'est comme cela que ça marche. Tu dois être prêt à perdre. Il y a le proverbe qui dit, tel épargne en excès s'appauvrit. Mais celui qui donne libéralement s'enrichit. 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 Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, c'est Jésus qui parle, et de la bonne nouvelle. Combien sont prêts à faire avancer la bonne nouvelle? La bonne nouvelle aujourd'hui, ça demande de l'argent. Alléluia. Ça demande beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ça demande beaucoup d'argent. Parce que s'il faut te déplacer, il faut payer. Il faut payer. Si tu as ton véhicule, tu dois payer le carburant. Tu dois payer. Ton véhicule doit être en bon état. Sinon, tu ne pourras pas aller loin. Alléluia. On va clôturer. Le Saint-Esprit aussi est un don. Qu'on aime le Saint-Esprit. On aime l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Dieu nous a donné. Le Saint-Esprit. On aime le don de parler en langue. Le don de guérison. Le don de quoi encore? De prophétie, la parole de connaissance, parole de sagesse, le don de foi et consort. Nous aimons la personne du Saint-Esprit, le Paraclétos, celui qui vient pour nous assister, celui qui vient pour nous donner accès au cœur de Dieu. Le Saint-Esprit que nous avons reçu là, c'est un don. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est un don que Dieu nous a donné. La Bible dit dans Jean 14, 16, c'est le Seigneur Jésus qui parle et dit, et moi, je prierai
le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il dit, je prierai au Père, il vous donnera un autre consolateur, pour que tu reçoives le Saint-Esprit, Dieu l'avait donné. Tu peux imaginer la valeur du Saint-Esprit dans ta vie? Peux-tu imaginer la valeur de l'Esprit de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait quoi? Il a donné. Quand on parle des dons que nous avons, quand on parle des talents, quand on parle des capacités, quand on parle de grâce, ce sont de quoi? Des dons. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, la Bible dit, car qu'est-ce qui te distingue? Merci. Regarde. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu. Alléluia. Nous avons tout reçu. Comment tu peux te comporter comme une personne qui n'a jamais reçu quoi que ce soit? Comment tu peux... Regarde, si tu es égoïste, tu tombes déjà dans le piège de ce temps de la fin. Dans le temps, dans le dernier jour, la Bible dit, il y aura des moments difficiles. Les hommes seront orgueilleux, égoïstes, rebelles et consorts. Ça concerne les hommes, pas les enfants de Dieu. Pas les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, ce sont des nouvelles créations. Ce sont des nouvelles créatures. Ils ne peuvent pas être égoïstes. Ils ne peuvent pas être rebelles. Ils ne peuvent pas être ennemis des gens de bien et consorts. Alors si un enfant de Dieu est égoïste, il est encore enfant. Il est encore enfant. Regarde, les choses peuvent bien aller pour toi parce que tu es un enfant. Ne pense pas que les choses, tu donnes pas tout ça, mais les choses vont bien pour toi. C'est parce que tu es enfant de Dieu. Dieu ne te prive pas de certaines choses, mais il y a des dimensions que tu ne pourras pas atteindre, tout simplement. On peut pas, tu peux pas envoyer ton enfant en ville. Alléluia. Tu peux pas envoyer ton enfant en ville, aller chercher ton argent en banque, quelque chose comme ça. Tu peux pas lui donner la signature. Mais ton enfant à la maison, il peut avoir accès à tout ce qui est dans le congélateur. Quand il a besoin de quelque chose, le chauffeur peut aller l'accompagner au supermarché, prendre tout ce qu'il veut. Mais cet enfant ne peut pas avoir la signature. Mais un fils, si. Mais bien aimé, grandissant. Grandissant. La raison pour laquelle j'ai mis, parlons-en un peu. Je pouvais même dire, parlons-en enfin, parce qu'il faudrait qu'on avance. Il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas revenir dessus. Il y a des choses qui doivent être notre naturel. Il y a des choses qu'on ne doit pas nous forcer. Il y a des choses qu'on n'a même pas besoin qu'on nous apprenne cela. Dans Jacques, chapitre 1er, on va s'arrêter là. Dans Jacques, chapitre 1er, le verset 16 à 17, la Bible nous dit... Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente, tout don parfait, descende d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout ce que nous avons reçu vient de Dieu. Vient de Dieu. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, je vous assure, qui souffrent. Ne vous fiez pas aux apparences des pasteurs qui portent de vestes. Derrière les vestes, derrière les décorations qu'on voit derrière les temples, alléluia, il y a des personnes qui se sacrifient. Il y a des personnes qui se sacrifient. Pourquoi? Parce que l'église d'aujourd'hui, c'est une église un peu indépendante. Hein, aujourd'hui, l'église est indépendante. Hein. Les gens ne sont pas disciplinés.
L'église, c'est la discipline. L'église, on parle de l'armée. On parle de l'armée du temps de la fin. Dans l'armée, c'est la discipline. Être disciple, c'est être soumis à la discipline d'un maître. Disciple. Dans disciple, il y a discipline. Mais combien dans l'église sont indisciplinés? Indisciplinés, voilà pourquoi plusieurs sont victimes des œuvres de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas. Les personnes que Dieu a mis à placer devant, on ne les considère même pas. On ne les considère même pas. J'ai dit aujourd'hui, une manière de persécuter les hommes de Dieu, de tuer les hommes de Dieu. Dans le pays où les gens sont libres de prêcher, d'aller prier, où il n'y a pas la persécution, c'est de la priver de moyens pour vivre, de moyens pour servir Dieu. C'est l'une des choses que le diable est en train d'utiliser pour faire souffrir les hommes de Dieu. Il y a des choses qu'ils ne vont pas vous dire. Il y a des choses qu'ils ne vont pas vous dire. J'ai vu un jour, mon pasteur pleurait à l'église, j'étais avant. Pourquoi? Parce que l'église avait fait des mois, l'église n'arrivait pas à payer la garantie, le loyer. Et le pasteur, sur la chair, était en train de pleurer. Il a pleuré. Il a pleuré. Alléluia. Il y a des gens qui font pleurer. Vous savez, fais pleurer un homme de Dieu de joie. Parce que tu l'as béni. L'homme de Dieu pleure de joie. Alléluia. Mais que l'homme de Dieu ne pleure pas de tristesse, d'amertume. Pourquoi il veut servir Dieu? Mais les personnes qui sont avec lui là, indifférentes. Indifférentes. L'une des manières de tuer les hommes de Dieu aujourd'hui, l'une des manières, hein, j'ai dit seulement l'une des manières, c'est de les priver de quoi servir Dieu, de quoi vivre. Il y a des personnes qui sont vraiment... Vous savez qu'il y a des personnes qui donnent parce qu'ils sont, en quelques termes, comment je dirais ça, hypnotisés? Ah oui. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Il y a un... Mais le Saint-Esprit est tellement doux. Le Saint-Esprit ne nous oblige pas. Il y a des personnes qui ne donnent pas parce que Dieu ne leur a pas dit de ne pas donner. Dieu leur dit de donner, mais tellement qu'elles ne veulent pas donner, tellement qu'elles résistent à la voix du Saint-Esprit, voilà pourquoi elles ne donnent pas. Elles peuvent sentir dans leur cœur, ça donne. Dieu te dit ça, donne. Rien. Je vais donner prochainement. Prochainement, tu as raté une opportunité. Alléluia. Vous savez, ces histoires sont tellement sérieuses. Dieu en prend. Dieu est tellement sérieux dans cela quand il a visité, le papa de Samson, comment il s'appelle? Manoah, c'est ça? C'est Manoah. Lorsque l'ange a visité la femme de Manoah. Manoah a prié que l'homme de Dieu qui leur avait visité revienne encore. Et quand l'homme est venu pour la deuxième fois, quand il a reçu les instructions, il a dit à l'homme, à l'ange de l'Éternel, quand on parle de l'ange de l'Éternel, la Bible, on parle de Dieu. Il a dit, attends ici que j'amène une offrande. L'ange est resté là. L'homme est allé chercher l'offrande. Il est parti, il a pris l'offrande, il est venu avec, il perd. C'est quand la fumée montait que l'ange de l'Éternel est monté avec la fumée. Il y a des personnes qui ont laissé Dieu dans plusieurs endroits de leur vie. Là où Dieu attendait que tu reviennes avec une offrande, Dieu a attendu. Dieu jusqu'aujourd'hui, il est là en train d'attendre. Il y a plusieurs personnes qui ont laissé Dieu quelque part en train d'attendre. Dieu attend, Dieu attend. Vous êtes parti, vous n'êtes jamais revenu. Un autre exemple, le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus guérit les 10 lépreux. Les 10 lépreux. C'est dans Luc combien? Luc 17, vérifiez. Alléluia. Luc 5 ou Luc 17. Alléluia. Moi, j'aime pas trop mémoriser. Alléluia. Amen, amen, amen. La Bible nous dit ceci. Que lorsque le seul, le Samaritain est revenu pour rendre grâce à Dieu, le Seigneur lui pose la question, les 9 autres n'ont-ils pas été
guéri? Où sont-ils? Comment se fait-il que lui seul revienne pour rendre gloire à Dieu? Jésus attendait que les 10 reviennent. Seulement une seule personne est revenue. Mais bien aimé, l'argent c'est rien. Les biens de ce monde, c'est rien. Ne mourons pas pour cela. Ne discutons même pas pour cela. C'est rien. Par rapport à tout ce que Dieu nous a donné. Par rapport au souffle de vie. Parce que si tu ne respires plus, tu ne parleras plus d'argent. Alléluia. Qui déjà à l'hôpital, quand tu es malade, commence à parler de l'argent? Hein? Quand tu es déjà à l'hôpital, tu es comme ça. Même manger, ça devient difficile pour toi. J'ai pas l'appétit. Mange. Je n'ai pas. Fais ça. Tu veux aller chercher l'argent? Alléluia. L'argent, c'est rien. Les vêtements, c'est rien. Les véhicules, c'est rien. L'argent, c'est juste un moyen pour servir Dieu. Pour faire avancer les intérêts de Dieu. Les caméras que nous avons, les véhicules, les maisons, tout ce que nous pouvons avoir, ce sont juste des moyens pour servir Dieu. Pas quelque chose pour devenir des orgueilleux. Pour penser que c'est nous, que c'est nous. Que lorsqu'une personne qui s'est sacrifiée, qui a arrêté son travail. Mais bien aimé, moi je dis toujours, je répète. Moi je ne suis pas venu dans l'œuvre de Dieu. Parce que je manquais, parce que j'ai échoué. Je n'ai pas échoué dans ma vie. Je n'ai pas échoué dans ma vie. J'ai toujours été parmi les meilleurs. Quand je dis parmi les meilleurs, parmi les meilleurs. Partout où je me suis retrouvé, j'ai toujours été parmi les plus grands, parmi les meilleurs. Par la grâce de Dieu. Et si je le sers aujourd'hui, si j'accepte de tout laisser pour lui, c'est parce qu'il me l'a demandé et j'ai accepté de répondre à son appel. Prenons les choses de Dieu au sérieux. La dîme, les offrandes, c'est au-delà. C'est toute notre vie. C'est la vie de Dieu en nous. C'est la vie de Dieu en nous. La vie de Dieu en nous. Quand tu respires, dis-toi, ah, ça c'est la dîme de Dieu. Dieu m'a donné une part de sa vie. Si je peux vivre, tu dois savoir qu'il y a d'autres personnes qui seront bénies parce que toi tu donneras. S'il m'arrive d'assister certaines personnes financièrement, c'est parce que moi aussi on me donne. Alléluia. Amen, 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 amen. Si tu as déjà reçu quelque chose de ma part, sache que c'est parce que moi aussi on m'avait donné. Et toi aussi tu as reçu parce qu'on t'a donné. Parce que quelque part Dieu a fait qu'une personne te favorise. On t'a donné un travail. On t'a donné un poste. On t'a donné une promotion. On t'a offert quelque chose. Toi aussi tu as reçu. Et pourquoi est-ce que toi pour donner ça devient difficile? Toi tu retiens. Ce que tu retiens, tu sais pas combien de personnes sont privées. Pourquoi? Parce que toi tu es en train de retenir. L'œuvre de Dieu pouvait avancer encore plus vite. Mais l'œuvre de Dieu traîne les pieds. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui retiennent. Vous êtes en train de servir le diable sans le savoir. Vous êtes en train de servir au dessein du diable sans le savoir. Parce que Dieu, pour sauver le monde, il a donné. Pour nous créer, il a donné. Pour nous faire vivre, il a donné. Le résumé de toutes nos vies, c'est dans le donner de Dieu. Dans le donner de Dieu. Si Dieu retire seulement, c'est fini. Si Dieu retire son souffle de toi, c'est fini. Tu vas parler de quoi? Tu vas parler de quoi? Tu vas parler encore d'argent? Tu vas encore insulter les hommes de Dieu? Parce qu'il y a des personnes qui font des vidéos pour insulter les hommes de Dieu. Ceux qui reçoivent la dîme, on les appelle les dîmovores. J'accepte. Je suis dîmovore. Alléluia. Insultez. Nous on avance. Alléluia. Nous servons Dieu avec toute la conscience. Mais bien aimé, qu'au-delà de tout ce que j'ai dit, au-delà de mon, au-delà du français, au-delà du lingala, que le Seigneur, le Saint-Esprit vous ouvre son intelligence. Dieu nous appelle très loin.
Dieu nous appelle, il nous attend très loin. J'étais en train de donner une illustration. Imagine ton camarade de l'école ou une personne avec qui tu vivais dans un même quartier. Alléluia. Tu le retrouves 10 ans après. 10 ans après, la personne n'a pas évolué. La personne avec des vêtements déchirés, délabrés, hein, ce qu'on dit, hein. Quand tu regardes la personne, tu vois la misère sur son visage. Mais quand tu le connaissais, c'est une personne qui avait de l'argent, c'est une personne qui menait une bonne vie. Quelle sera ton impression? Quelle sera ton impression? Hein? Tu auras pitié, hein? Hein? Quoi encore? La compassion, envie de l'aider, hein? Et tu sais que Dieu te connaissait avant que tu viennes au monde. Tu sais que Dieu te connaissait avant que tu viennes au monde. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi. Et quand Dieu regarde plusieurs d'entre nous, Dieu est en train de regretter. Dieu est en train de regretter comment nous sommes misérables. Comment nous sommes loin de ce qu'il a destiné pour nous. Tout ça à cause de ce que le monde nous a inculqué. À cause des enseignements qu'on a ramassés ça et là. On a grandi avec. On pense que on prend le petit rien là. Qu'on donne. C'est plus que cela. C'est la vie. C'est la vie. Ce sont les affaires de Dieu. Les affaires d'éternité. Élevons-nous. Mettons-nous debout, pardon. Élevons-nous. 2022 arrive. Ça doit être un nouveau départ. Pour plusieurs d'entre nous. Je prie que les cœurs de pierre soient brisés ce matin au nom de Jésus. Que tout cœur de pierre soit brisé. Que toute forme d'incrédulité soit brisée. Que tout faux enseignement dans les cœurs des enfants de Dieu soit déraciné au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Si Dieu te parle, c'est parce qu'il veut te conduire loin. Si Dieu te parle, c'est parce qu'il veut guérir ta vie. Il veut guérir tes finances. Il veut guérir tes entreprises. Il veut guérir. Oh, dis merci à Dieu pour sa parole. Élève ta voix, dis merci. Dis merci à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Roba shada raba raba korobo sadelebe. Marondo shondo robo. Comment tu descends? Tu dois recevoir la vie maintenant. Tu entends? Pendant que tu joues, tu reçois la vie de Dieu. Laba shada raba raba garaba. Sois en train de recevoir. Nous devons grandir. Vous savez, la Bible dit à propos de Paul, l'apôtre Paul, il est resté des jours sous l'eau. On voulait le faire tuer. Même l'eau ne pouvait pas le tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait atteint un autre niveau. Paul, une vipère est mort. Il ne meurt pas. Mets-toi un moustique seulement, un moustique qui te pique et c'est la malaria. Tu dois changer de niveau. Commence à te fâcher maintenant. Dis au Seigneur, accorde-moi ta grâce. Donne-moi ta grâce. Je veux être la personne que tu veux que je sois. Je veux atteindre le niveau auquel tu veux que j'atteigne. Sois en train de prier. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu écoutes la parole de Dieu. Qu'en est-il de ta vie?
par rapport à ces domaines de finances? Qu'est-ce qui représente l'argent pour toi? Qu'est-ce que tu as comme alliance avec Dieu par rapport à tes finances, par rapport à l'argent? Est-ce que tu réussis à ces tests que Dieu te donne? Quand Dieu te donne le peu, quand Dieu te donne le peu. Vous savez, avec la dîme, si tu n'arrives pas à donner quand tu as peu d'argent, ça sera difficile pour toi de donner quand tu auras beaucoup d'argent. Parce que le volume ne fait que grandir. Abraham ne pouvait pas donner Isaac s'il n'était pas un homme de sacrifice avant. Quand tu regardes l'histoire d'Abraham, il était tout le temps en train de mettre les autels pour offrir à Dieu. Il était tout le temps en train d'offrir à Dieu, tellement qu'il offrait à Dieu, quand Dieu lui a demandé d'offrir Isaac, il n'a pas refusé. Est-ce que tu t'exerces petit à petit, quand tu as 10, de donner 1 à Dieu? Quand tu as 100, de donner 10 à Dieu? Quand tu as 1000, de donner 100? Parce que quand tu auras 1 million, tu ne pourras pas donner 100 000. C'est ça, hein? Quand tu as 1 million, tu pourras donner 100 000 à Dieu. Si Dieu te bénit avec 1 million aujourd'hui, tu pourras donner 100 000 à Dieu. Quand tu as 10, tu n'arrives pas à donner 1. Commence à demander la grâce de Dieu. Parce que Dieu veut nous bénir. Le temps de la fin, c'est le temps aussi du transfert des richesses. Dieu veut que la bonne nouvelle atteigne tout le monde. Dieu veut que la bonne nouvelle atteigne les extrémités de la terre. Mais à qui est-ce que Dieu va confier ses richesses? À qui est-ce que Dieu va confier ses richesses? Qui seront les instruments de Dieu? Qui seront les points de contact de Dieu? Qui seront ces personnes à qui Dieu va donner des millions? Quelles sont ces personnes? Seigneur, la grâce, demande la grâce. La grâce d'être fidèle dans le moindre des choses. La grâce de pouvoir accepter de me priver. Accepter de perdre pour toi, Jésus. Sois en train de recevoir la grâce. Parce que Dieu est en train de t'amener loin. Dieu veut t'amener loin. Dieu veut faire pour toi des grandes choses. Des grandes choses. Des grandes choses. Dieu veut atteindre les extrémités de la terre. Oh, Beraka Family est une très grande vision. Très grande vision par la grâce de Dieu. Où sont les personnes à qui Dieu va donner des millions, des milliards pour faire avancer son œuvre, pour aider les hommes et les femmes dans le besoin, pour aider les orphelins, pour aider les vieillards, pour assister les frères et sœurs qui sont dans le besoin, pour bâtir l'œuvre de Dieu? Où sont ces personnes? Recevez la grâce de Dieu ce matin. 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 Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Lève tes deux mains, commence à recevoir la grâce de Dieu. 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 Dieu veut t'emmener loin, mais c'est sa grâce. La grâce, que cette grâce te localise, que cette grâce te localise, que cette grâce te localise, que la grâce de Dieu te localise, au nom de Jésus. Que le Seigneur touche les cœurs, que le Seigneur parle à nos cœurs, que le Seigneur parle à nos cœurs, que le Seigneur parle à nos cœurs, que le Seigneur nous donne l'intelligence. Que le Seigneur nous donne la compréhension. Merci tendre Père. Sois en train de prier pour ta vie. Sois en train de prier pour ta vie. Sois en train de prier pour ta vie. Rababa shadaraba. Marabraga raba shenerebe. Marabraga raba randaraba. Marabraga raba raba raba. Marabraga robo shadaraba. Marendo soderebe. Sois en train de prier, sois en train de prier. Reçois la grâce. Ce n'est pas par hasard que tu es venu. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Ce n'est pas par hasard que tu as entendu ces paroles. Je ne le connaissais pas. Le Seigneur m'a appris ces choses. Le Seigneur m'a appris ces choses. Pendant mes moments de prière,
Le Seigneur m'a donné accès à ces choses. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Quand Dieu nous révèle, la Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Si Dieu te donne la révélation, c'est pour que tu avances, c'est pour que tu prospères, c'est pour que tu réussisses, c'est pour que tu sois un instrument puissant entre ses mains. Pour que tu sois un instrument puissant entre ses mains. Merci tendre Père. Merci tendre Père. Sois en train de prier. Prie encore, prends encore du temps de prier. Prends encore du temps. Rababa shala rabaraba sekerebe. Prends le temps de prier. Le temps arrive où tu n'auras pas à pleurer pour l'argent. Le temps arrive, le temps arrive, le temps arrive. C'est juste un moyen. Ce sont juste des moyens, juste des instruments pour servir Dieu. Pour que nous accomplissions notre destinée, nous en avons besoin pour le servir. Nous en avons besoin pour le servir. Pour accomplir les buts pour lesquels nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Même Jésus. Jésus, quand il est né, les mages sont venus lui apporter les offrandes. Les mages sont venus. Jésus, à part ses disciples, il y avait des femmes qui marchaient avec lui, qui l'assistaient avec leurs biens. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, rababa shada rababa rababa. Eh, rabba shada rabba, la grâce. La grâce, parce que Dieu veut t'amener loin. Lève, garde tes mains levées. Sois en train de recevoir la grâce. Où que tu sois, tu nous suis en ligne. Lève juste deux mains et reçois la grâce. L'argent c'est rien. Le bien de ce monde c'est rien. C'est rien, on laissera tout. On laissera tout. Il ne faudrait pas que dans ta vie, qui arrive un jour, que tu dises vanité de vanité. Tout est vanité. Salomon avait dit vanité de vanité parce qu'il avait mal géré les ressources que Dieu lui avait données. Dieu l'avait tellement béni. Il avait bien commencé. Dans 1 Roi chapitre 3, le verset 3, la Bible dit Salomon aimait Dieu. Salomon aimait Dieu. C'était seulement dans les hauts lieux qu'il offrait ses sacrifices. Et Salomon avait offert 1000 holocaustes à Dieu. 1000 holocaustes à Dieu. La Bible dit que cette nuit-là même, le Seigneur lui est apparu et lui a dit demande ce que tu veux. Dieu lui a donné la sagesse. Mais au-delà de la sagesse, tu lui as donné la richesse. Pendant les 40 années de Salomon, il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de guerre. Certaines personnes vivent des guerres dans leur vie, tout simplement parce qu'ils ne sont pas en règle avec Dieu. Mais regarde les richesses que Dieu avait données à Salomon. Mais parce qu'à un moment donné, il a arrêté d'aimer Dieu. Il a commencé à aimer les femmes. Il a commencé à aimer les femmes. Il a commencé à aimer les femmes. Jusqu'à en épouser 300. Jusqu'à avoir 700 concubines. À la fin de sa vie, il dira, vanité de vanité. Tout est vanité. Pourquoi? Parce qu'il a mal géré les richesses. Mais le Seigneur Jésus, bien qu'il a fini sur la croix, là il a dit, tout est accompli. Le Seigneur Jésus, quand il mourait sur la croix, il était en train de dire, tout est accompli. Tout est accompli. Il n'a pas dit vanité de vanité. Il a dit, tout est accompli. Et l'apôtre Paul aussi a dit la même chose. Il dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Qui est celui qui va dire cela? Qui est celui qui va dire cela à la fin de sa vie? C'est déjà accompli la raison pour laquelle tu m'as envoyé dans ce monde. J'ai fait avec l'argent que tu m'as donné ce que tu m'as demandé à faire. Je n'ai pas gaspillé les ressources que tu m'as données. Je n'ai pas gaspillé les biens que tu m'as donnés, les richesses que tu m'as données. Je ne les ai pas gaspillées. Je ne les ai pas gaspillées. J'ai investi sur terre pour avoir des trésors au ciel. Seigneur, merci. Le Seigneur est en train de susciter des hommes et des femmes qui seront des piliers financiers. Le Seigneur est en train de susciter des hommes et des femmes qui auront le cœur de Dieu. Les hommes et les femmes, qu'on n'aura pas à leur demander pour qu'ils donnent.
Ils n'auront pas, n'auront pas besoin d'être moralisés. Parce qu'il y a des personnes, des spécialistes, lorsqu'on veut faire les appels, des fois on les appelle. Parce que ces personnes savent très bien parler. Cette catégorie de personnes n'auront pas besoin que les hommes leur parlent pour qu'elles donnent. C'est le Saint-Esprit qui parlera dans leur cœur. Le Saint-Esprit parlera dans leur cœur. Le Saint-Esprit parlera dans leur cœur. Le Saint-Esprit mettra dans leur cœur ce qu'ils doivent donner, ce qu'ils doivent faire. Parce que les temps nous sont comptés. Le Seigneur revient. Le Seigneur Jésus revient. Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée. Il y a les canaux, les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, le message tombe sur les téléphones. Tout le monde aujourd'hui est connecté. Mais pour envoyer autant de messages, pour atteindre autant de personnes, il faut de l'argent. Que Dieu suscite ces hommes et ces femmes. Que tu sois parmi ces personnes dans le nom de Jésus. Que tu sois parmi ces personnes dans le nom de Jésus. Ton niveau social ne représente rien du tout. C'est seulement ton cœur. C'est seulement ton cœur. C'est seulement ton cœur. Ton travail n'est rien du tout. La Bible nous parle de Jacob. 10 fois, son beau-père, qui était son patron, avait changé son salaire. Mais quand Dieu est venu l'inspirer, il est devenu plus riche que son beau-père. Il est devenu plus riche que son beau-père. Je prie que Dieu te donne l'inspiration qui fera que tu sois plus riche que tes patrons dans le nom de Jésus. Tu seras plus riche que la personne qui t'a engagé actuellement. Plus riche. Parce que Dieu va te donner une idée. Dieu va te donner une idée. Lorsque Joseph est arrivé en Égypte, Potiphar était son patron. Potiphar était son patron, son maître. Mais à la fin, c'est Joseph qui était devenu maître. Je vois Dieu faire de toi un maître dans le nom de Jésus. Je vois Dieu faire de toi un maître dans le nom de Jésus. Je vois Dieu faire de toi un maître dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Dis merci au Seigneur. Father God, we thank you for your grace. Merci pour la grâce. Pour ce que tu nous as appris, Seigneur, ce matin, sur la dîme et les offrandes. Et merci pour les peuples que tu t'es choisi. Merci pour les personnes que tu as toi-même sélectionnées. Que ton Saint-Nom soit béni. À jamais. À perpétuité. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise avec moi. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Acclame pour le roi de rois. Acclame, 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 acclame très fort pour le roi. Très fort pour le roi de gloire. Acclame, acclame. Et c'est pour le roi que tu es en train d'acclamer. Tu es sûr que c'est pour le roi que tu es en train d'acclamer. Oh, acclame très fort. Est-ce qu'il y a des mamans dans cette pièce? Est-ce qu'il y a des mamans en ces lieux? Est-ce qu'il y a des mamans en ces lieux? Poussons des cris de joie. Amen, amen, amen. Alléluia, asseyons-nous majestueusement. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen, amen, amen. Je vois, il n'y a pas de nouvelles personnes. Alléluia. Tout le monde a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Mais si tu nous suis en ligne, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Nous allons juste courber nos têtes pour une minute. Ou bien tu es ici, tu sais que ta relation n'est pas bonne avec Dieu, tu sais que... Pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'il y a là? Tu es là, tu sais que ta relation avec Dieu n'est pas du tout bonne. Tu sais que tu vis dans le péché. Nous sommes appelés à vivre dans la sainteté. La Bible dit, vous serez saints comme votre Père est saint. Tu dois renouveler ton alliance avec Dieu. Vous allez faire cette prière après moi, à haute voix, répétez. Vous qui me suivez en ligne, et si vous êtes ici, vous avez besoin de faire cette prière. Père, au nom de Jésus, j'ai entendu ta parole.
je suis conscient d'être parti loin de toi. Je suis conscient que je vis loin de toi. Je reviens aujourd'hui et maintenant. Je reviens à tes pieds. Je reviens à toi. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à Jésus. Seigneur Jésus, viens. Sois mon sauveur. Sois mon Seigneur. Sois mon maître. Je crois que tu étais mort pour moi. Sur la croix à Golgotha. Le troisième jour, le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, je sais. Maintenant, je sais. Je suis devenu enfant de Dieu. Je brise toute alliance avec le monde des ténèbres. Toute alliance qui a été faite, consciemment ou inconsciemment, en mon nom, je le brise au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle création. Merci pour ton esprit qui désormais va me conduire afin que je grandisse, afin que j'atteigne la maturité, afin que j'atteigne la stature de Christ. Merci, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je prie pour toi que la grâce qui t'a sauvé, toi qui as fait cette prière, que cette grâce te garde jusqu'au son de la trompette, ce jour où nous allons le rencontrer dans les airs. Que la grâce de Dieu te préserve. Que la grâce de Dieu te fasse que tu marches dans la crainte de l'Éternel, dans la sainteté, et que tu accomplisses l'œuvre de Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur.